Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. Hein? Pardon, pardon, pardon. Hein? Il vous demande pardon. Hérito, faut te coiffer, faut te couper les cheveux, faut te couper un peu la barbe. J'ai compris. Hein? J'ai compris. Souffrez encore cette petite journée-là et demain c'est sûr que vous me verrez tout beau. Hein? Arrêtez un peu de m'attacher en commentaire. J'ai compris. Je vais me coiffer. Voilà. Non, en vrai, j'aime pas trop me couper les cheveux. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais c'est comme ça que je suis. C'est pas parce que je fais exprès. Cependant, cette vidéo est destinée à Sidiki Diabaté, Safaro Lobiang et Ibawan. Donc, chers fans de Sidiki Diabaté, ceux qui disent que je fais pas la promotion de Sidiki Diabaté, je pense que cette vidéo est bienvenue parce que je vais parler de votre artiste et d'un artiste ivoirien. Voilà, j'avais déjà commencé une vidéo hier où je disais que je voyais pas trop Safaro Lobiang en vogue comme dans le temps. Voilà, je pense que ce son-là vient pour rectifier le tir. On se penche juste après le générique pour plus de détails, les amis. Ils l'ont fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, à la base, je procède à des firmes. Bon retour famille, bon retour les gars. Voilà, bien avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien revenir sur l'info que je vous avais donnée hier dans l'une de mes vidéos, où je vous parlais d'une nouvelle émission qui va se dérouler sur la chaîne Héritage de Search TV. Voilà, votre chaîne à vous, parce que vous êtes mes abonnés, moi j'en suis le propriétaire et le gérant. Donc c'est aussi votre chaîne. Et en quoi consistera cette émission? En fait, voilà ce que je veux faire. C'est-à-dire, on a pour habitude de voir que les interviews de stars, la star dit que j'aime mes fans, je suis comme ça, je suis ceci, je suis cela. Mais on n'entend jamais les fans. On n'entend jamais l'opinion des fans. On n'entend jamais pourquoi, par exemple, lui là il préfère Didier Arafat à Serge Beno, ou lui là il préfère Arel Chéné à Safaro Lobiang. Et c'est ce que je vais commencer ici sur Héritage de Search TV. Et je sais que grâce à vous, cette émission-là va cartonner. Parce que ah, j'imagine, imaginez que vous devez passer en première diffusion un jour, vous allez alerter tous vos amis pour dire que je passe sur la chaîne d'Héritage de Search TV. Et là, les partages vont commencer à résonner. Et je sais que beaucoup, 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 beaucoup vont m'envoyer la vidéo. Parce que bien avant, bizarrement, bien avant que je commence cette émission-là, il y a des personnes qui m'envoyaient souvent des réactions en vidéo qui me demandaient de les diffuser, mais de manière professionnelle, je pouvais pas les faire. Il fallait que j'annonce et j'ai bien réfléchi. C'est pourquoi j'ai voulu commencer avec cette émission-là que j'ai dénommée Versus Fan. En quoi considérer cette émission? Je vous explique maintenant. C'est-à-dire, moi je suis fan de Safaro Le Bihan, toi tu es fan d'Ariel Chiné. C'est un exemple simple. Tu fais une vidéo de 5 minutes, toi le fan de Safaro Le Bihan ou d'Ariel Chiné, ou tu te présentes, tu remercies Hériton que je suis de te faire passer sur ma chaîne. Et puis, tu expliques pourquoi tu es fan d'Ariel Chiné ou de Safaro Le Bihan. Tu expliques. Et en même temps, tu profites aussi pour donner des conseils à ton artiste en lui disant ce que tu n'aimes pas chez lui. Et quand tu finis cette première phase, la deuxième phase dans ta vidéo consistera à quoi? À dire que certes, tu apprécies les talents de par exemple Ariel Chiné ou de Safaro Le Bihan, mais tu n'es pas fan d'Ariel Chiné ou de Safaro Le Bihan parce que. De même aussi, l'autre fera de même. Vous voyez un peu, non? Et moi, je vais faire un collage. Et puis maintenant, nous, on va vous attendre en commentaire. On va dire celui qui est plus convaincant. On va voir si on va se retrouver dans vos propos et tout ça. Et je pense que cette émission va vous plaire parce que j'ai beaucoup réfléchi et puis beaucoup m'ont dit que c'est une très très bonne idée. Hier même, il y a beaucoup qui l'ont dit aussi en commentaire, donc je pense que on doit commencer. Voilà, parce que le micro-trottoir, vous voyez, hein, c'est pas ma faute, ça tape, ça tape, ça tape, mais on va le faire cette année. Ne vous inquiétez même pas, on va le faire cette année. Donc c'est un peu ça. Apprêtez-vous, apprêtez-vous. Bientôt, je vais donner le numéro auquel vous allez envoyer toutes vos vidéos, mais vous n'envoyez pas vos vidéos en même temps. C'est-à-dire, quand je mets, je publie dans ma communauté, comment je vais dire ça? Les artistes dont on doit parler dans ma première émission de Versus Fan. Si tu es fan d'un des artistes, tu fais ta vidéo et puis tu m'envoies. C'est la meilleure vidéo. Ce n'est pas la meilleure vidéo que seront sélectionnées. Voilà, je pense qu'on peut parler maintenant de Sidiki Diabaté et Safaro Le Bihan. Oui. Et plus loin, parler aussi d'Ibawan. Ok. Mais avant, excusez-moi. Vous savez, hein, moi j'aime bien donner de la force à ceux qui me demandent. Et je vous ai dit hier que avec Princesse Rima, vous êtes seulement à 9 abonnés des 500. Pardonnez, complétez ça à 500 aujourd'hui là. Aujourd'hui là, complétez ça à 500. Amenez-les à 500. Ils vont balancer le téléphone là. Pardonnez. Hein? Quand je vous dis pas, vous ne faites pas. Et puis aussi, j'espère que vous avez commencé à ajouter au max Maman Casse Pilagie. Voilà, c'est très important. La dame là, beaucoup s'en moquent, mais c'est une très très grande dame, de grande valeur. Et elles vendent de très bons produits. Voilà, mais son produit, pour ne pas dire son projet phare, c'est son bazar qu'elle doit ouvrir bientôt à Abidjan. Donc restez connectés, on va en parler.
de temps en temps sur Héritage TV. N'oubliez pas de donner aussi la force à Wangeli. Wangeli, 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 Wangeli. Voilà, il fait beaucoup de vues, ses abonnés commencent à augmenter. Continuez à lui donner de la force, s'il vous plaît. Continuez à lui donner de la force, je vous en supplie. Wangeli est un artiste ivoirien. Il a besoin des Ivoiriens, il a besoin de la diaspora, il a besoin de tout le monde. Voilà, ne vous inquiétez pas. Hier, si vous vous rappelez, j'avais dit comme ça que je sentais plus Safara Le Bien. Les gens disent que non, tu ne le suis pas. Je le suis bien. Et puis, je vous dis toujours, vous n'écoutez pas bien mes vidéos. Voilà ce que j'ai dit de ma vidéo. J'ai dit, sur son Instagram et son Facebook, il continue de faire sa communication. Et il a beaucoup d'audience, il a beaucoup de likes. Mais la ferveur Safara Le Bien qu'on connaît, où pratiquement toutes les chaînes YouTube et les chaînes People en parlaient là, c'est plus la même chose. C'est pourquoi je me suis interpellé pour dire peut-être qu'il est, il est en train de rentrer aux oubliettes. Chose que je ne crois pas, mais c'était une vidéo d'interpellation. Voilà, je voulais juste avoir votre avis, vous m'avez donné votre avis, mais jusque là je ne suis pas encore convaincu. Mais en même temps, ce son qu'il sort bientôt, ce clip qui arrive lourd avec Sidiki Diabaté, va vraiment relever la cote du grand Safara Le Bien, ce talentueux artiste coupé décalé. Voilà, ça c'est une vérité à dire, parce que dans la journée d'hier, ils étaient en plein tournage, je pense que tout est déjà peaufiné. Il reste maintenant le travail du monteur. Voilà, quand la vidéo sera montée, bientôt vous verrez même des images de ce clip-là avec Sidiki Diabaté et Safara Le Bien sur les différents comptes réseaux sociaux. Donc restez connectés. Voilà, actuellement, je ne dirais pas que c'est chaud si Safara Le Bien, mais ce morceau avec Sidiki Diabaté là, je l'ai écouté. Si vous vous rappelez, Safara Le Bien et Sidiki Diabaté étaient en studio et puis ils ont fait jouer un beat sur lequel se sont lâchés un peu. Voilà, c'est ce son là qui sont en train de tourner le clip et le clip est déjà bouclé. Ils ont bouclé ça dans la journée d'hier et bientôt, et je dirais même dans ce mois là, ça va même pas durer, vous aurez ce clip là sur vos écrans. Voilà, sur Trace TV, sur la chaîne YouTube de Sidiki Diabaté, sur la chaîne YouTube de Safara Le Bien. En tout cas, vous serez gâtés. Et je pense que ce son là va vraiment, vraiment relancer un peu Safara Le Bien, parce que je le sens pas. C'est pas que Jean, il est pas à la mode ou bien il n'a pas de spectacle, mais je le sens pas. Voilà, Safara Le Bien, c'est quand même, c'est quelqu'un, quand tu parles de lui, au moins il y a 10-3 chaînes télé qui parlent de lui, au moins c'est quand même. Bon, peut-être que je me trompe, mais je suis sûr d'une chose, c'est que son featuring avec Sidiki Diabaté là, c'est lourd. Donc, fan de Sidiki Diabaté, sachez que Eriton n'a rien contre Sidiki Diabaté, rien du tout. Voilà, c'est vrai que je ne le suivais pas, mais j'ai décidé comme ça de le suivre depuis un bon bout de temps. Et il fait du très bon travail, il fait du très très bon travail. Tout ça, c'est l'Afrique qui gagne, c'est la musique africaine qui gagne, c'est le Mali qui gagne. Donc, ne vous inquiétez pas, tant qu'il y aura des actus, je vais me presser de vous les donner. Voilà, et si je commence par cette première actu-là, parce que je parlais déjà de Sidiki Diabaté, mais c'était dans des clashs. Voilà, et cette première actu-là, elle commence avec Safara Le Bien. Bientôt, vous aurez un clip très très lourd. J'ai dit bien très très lourd. Voilà. Maintenant, parlons de Ibawan. Ibawan, Ibawan, Ibawan. Bon. Le mec, il est en train de s'internationaliser. Là, je vous le dis en même temps. Ça, faut le retenir. Parce que moi, je le suis sur son Instagram et sur son Facebook. Franchement, tous ses shows sont bondés. Tous ses shows sont bourrés. Voilà. Je vous ai dit qu'il fera le Zénith bientôt. Ça va vous surprendre et il va le remplir. Mais ce vendredi, là, il se produit, c'est-à-dire demain, il se produit au Lafia Nightclub. Au Lafia Nightclub. Voilà, il sait qu'il va aller casser encore cette boîte là avec ses sons, avec Snappy, avec la fouine, tout ça. Donc j'invite tous les gardiens à ne pas manquer ce rendez-vous là, à aller donner de la force à leur artiste. Parce que franchement, c'est un artiste qui mérite beaucoup beaucoup d'encouragement et beaucoup beaucoup de soutien. C'est pourquoi je suis déterminé à parler de lui, à faire sa promotion, à aller donner de la force à Ibawan. Voilà un artiste, tu sais pas où tu vas prendre pour l'attacher, tu sais pas ce que tu vas dire pour l'attacher. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est un exemple, c'est un artiste à suivre de près. Et j'aimerais pas que ses fans manquent ce show-là au Lafia Nightclub ce vendredi. Allez massivement soutenir votre Ibawan. L'empereur Kankou Moussa, légendaire du rap africain. Donc c'était un peu ça, la petite info aussi Ibawan. J'avais envie de la partager avec vous. Parce que vous savez très bien que les comptes réseaux sociaux ne peuvent pas, on va dire, atteindre tous les fans d'Ibawan. Comme je sais que parmi mes abonnés, il y a des fans d'Ibawan, c'est pourquoi je vous informe. Si vous n'êtes pas loin du Lafia Nightclub,
allez soutenir votre artiste. Que Dieu vous bénisse, c'était Ritor, on partage la vidéo et on s'abonne au maximum. Ciao, ciao les amis.